Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver face à face. La Constitution encore une fois sera interrogée aujourd'hui sur tous les plans, sur le plan de la nationalité, sur le plan de la prestation de serment de juges, sur le plan de la liberté de mouvement. On en parle avec l'un des architectes, si vous voulez, médecin de la Constitution, le professeur André Mbata, qui est professeur des universités et l'un des meilleurs. Constitutionnaliste de notre pays. Hier, je recevais ici le professeur Jacques Njoli dans le cadre de Face à Face. Et là, aujourd'hui, nous avons le professeur Mbata. Que des meilleurs dans ce domaine. Avec lui, on va discuter sur la question. Professeur, bonjour. Bonjour, Christian. Comment allez-vous Vous allez bien Je vais bien, merci. Alors, prof. Euh, D'abord, la grande question, c'est que l'actualité, c'est que le président de la République, on a vu, il a reçu par, dans une audience euh, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, mais juste après, ce sont des communiqués qui se, rend, qui, se qui finalement se rentrent dedans. Pouvez-vous nous dire un peu plus de ce qui, de quoi il s'agissait Pourquoi la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat sont allés rencontrer le président Est-ce eux qui ont appelé, qui ont demandé l'audience Est-ce le président qui a sollicité euh, euh, leur présence Qu'est-ce qui s'est réellement passé Bon, je crois. Merci pour la question. Je crois que s'il faut voir le communiqué qui a été fait par la, la fameuse cellule de communication du Parlement, oui. et nous apprenons que le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale ont été reçus. C'était le 13, oui. le mardi 13 octobre 2020, oui. et à la cité de l'Union africaine par le président Félix Tshisekedi. Oui. C'était à leur demande. Oui. Ils avaient donc sollicité une réunion de l'interinstitutionnel. Oui. L'interinstitutionnel, c'est un peu ce, cet organe qui n'est pas prévu par la Constitution. Oui. Mais lorsqu'ils se réunissent régulièrement, les responsables des institutions comme le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, le président de la République, et les officiers militaires, oui. et la magistrature également, et donc, ils font partie de ce qu'on appelle euh, l'interinstitutionnel. Donc, ils ont sollicité, c'était à leur demande, pour une réunion de l'interinstitutionnel. Mais le problème, il y a plusieurs problèmes qui ont surgi à ce niveau-là. Parce que euh, s'il faut se référer à la matière dont ils sont parlé, ils ont sollicité une réunion de l'interinstitutionnel pour aller parler de la Cour constitutionnelle qui fait partie des pouvoirs judiciaires. Et sans la présence de la Cour constitutionnelle ou du Conseil supérieur de la magistrature, pour moi, c'était un peu de la tricherie. C'est comme si on voulait rouler le président euh, Félix Tshisekedi. Et bon, donc, en réalité, est-ce qu'ils n'ont pas le droit Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de demander à rencontrer le chef de l'État pour parler de la vie de la nation Ils, ils ont le droit. Oui. Ils ont le droit parce qu'ils sont ils, ils dirigent les deux chambres euh, euh, du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais le problème, c'est lequel une réunion interinstitutionnelle pour parler de la Cour constitutionnelle qui appartient au pouvoir judiciaire et les responsables de la Cour constitutionnelle et du pouvoir judiciaire sont sur place à Kinshasa et vous vous sollicitez une sorte de réunion secrète sans eux. Et c'est ça le problème. Ils ont le problème, ils se rencontrent d'ailleurs le plus souvent sans faire de communiqué. Mais aller parler de la Cour constitutionnelle sans la Cour constitutionnelle, sans le conseil supérieur de la magistrature, moi je trouve que ça c'est un peu de la tricherie, la tentative de fraude. Mais parce qu'il s'agit finalement de la Cour conventionnelle, il faut le dire, les juges devraient prêter serment devant l'Assemblée nationale et le président de la République. Dans l'imaginaire collectif, c'est ce que les gens comprennent. Les gens se disent est-ce qu'il y aura prestation des serments Et si l'Assemblée refuse de recevoir les serments des de, 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 de juges ou elle refuse de participer, comment ça va se passer Bon, disons d'abord une chose. Je dis, bon, pour eux, pour le, la présidente, l'honorable Mabunda et l'honorable Alexis Tamboyan, rencontrer le président de la police, ce n'est pas un problème. Ce sont responsables des institutions, ils se rencontrent le plus souvent. Mais le problème, c'est la matière discutée. Parce qu'ils le savent. Et vous le savez bien en tant que juriste, et ce que Montesquieu nous dit, c'est la séparation des pouvoirs. Oui. Nous sommes dans un état de droit et le régime actuel est fondé sur ce que Montesquieu appelait à la suite de John Locke la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce que signifie la séparation des pouvoirs Qui a trois principaux pouvoirs au sein de l'État. Vous avez le pouvoir exécutif, le président de la République et le gouvernement d'un côté, vous avez le pouvoir législatif, chez nous c'est le parlement qui est bicaméral parce qu'il a deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, et vous avez le troisième pouvoir. Et pour monter ce le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire. Ces pouvoirs devaient être séparés. Montesquieu disait, il faut que le pouvoir arrête le, le pouvoir. pouvoir. Parce que d'après lui, tout serait perdu. Si un seul organe devait faire le pouvoir législatif, donc légiférer, le exécuter les lois, donc faire le travail de l'exécutif, et en même temps faire le pouvoir judiciaire, tout serait perdu. On serait dans la dictature. C'est pourquoi Montesquieu avait préconisé, qui est la séparation de pouvoirs et ce principe qui existait déjà aussi dans nos sociétés traditionnelles. Même dans nos sociétés traditionnelles, mmh. il existait. C'est ça, ce principe-là qui est à la base des différents systèmes politiques contemporains. Mmh. Et Alexis Ntamboemamba, c'était un avocat. Évidemment, il a fait le... Il, un avocat, il est juriste, il a étudié au Burundi, et tout le monde le sait. Et j'apprends aussi que l'honorable ma, Mabunda, Gianni Mabunda, aussi, a fait un peu de droit à Bruxelles. C'est euh, euh, vrai, juriste. Mais ce sont des choses qu'ils connaissent parfaitement. La séparation de pouvoirs. Et notre constitution est claire. Mmh. Si vous voyez l'article 149, vous l'avez euh, très rapidement. Oui, l'article 149. Il, il dit quoi le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir là. législatif. Il est indépendant du pouvoir législatif. Il est, est du pouvoir exécutif. Donc oui. le pouvoir judiciaire est indépendant. Comment est-ce que vous pouvez aller vous rencontrer avec le président de la République ou demander de le rencontrer pour vous immiscer dans les affaires du pouvoir judiciaire et en l'absence de pouvoir judiciaire, mais c'est une violation. C'est pourquoi je dis l'état de droit est tempéré. Mais est-ce que c'était une question de ou c'était une question d'information Non, d'après ce qu'on apprend, ils auraient demandé, ils auraient demandé que le président retire son ordonnance qui nomme les trois juges constitutionnels. D'après ce que nous apprenons. Oui, mais est-ce qu'il faut forcément la constitutionnelle Et, ils, et oui. ils ont dit ceci dans le communiqué. Oui. Je reviens au communiqué. Oui. Ils s'en tiennent au texte, aux réalisés aux de à, des... à plusieurs textes. Oui. Mais ça, vous n'allez pas le faire. Parce que le pouvoir judiciaire est indépendant. Aucune compétence d'abord ici. Ici, l'Assemblée nationale et le Sénat qui font le Parlement n'ont aucun pouvoir pour discuter des ordonnances présidentielles. Aucun. Et le président de, de, du Sénat le sait, lui, qui est juriste. La présidente de l'Assemblée nationale, il a fait le droit, il est entre les juristes, ils le savent. L'Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent pas discuter des ordonnances présidentielles. Même quand c'est si... violation. Non, même quand il y a, vous êtes des juristes, on sait où les attaquer. On les attaque. Et le, le, notre Constitution a établi, nous avons une Cour constitutionnelle, ça c'est en matière de contrôle de constitutionnalité, lorsque les lois ou les textes ayant force de loi violent la Constitution, où ils sont supposés, on, les a... on peut les attaquer devant la Cour constitutionnelle. Si ce sont les actes euh, réglementaires comme les ordonnances présidentielles, si vous estimez qu'il viole la loi, vous avez étudié le droit, je crois, dans de bonnes universités, vous êtes entouré de juristes, vous savez que le président peut aussi se tromper, ce n'est pas un problème. Mandela a déjà signé des textes qui ont été annulés. Le président Mandela, ça ne fait pas... J'avais parlé de cette affaire de Rugby Association, mmh. mmh. ou une association mmh. de rugby en Afrique du Sud, suspendue par le président Mandela. Mais Mandela, le gouvernement ne leur avait pas donné l'occasion de se défendre. L'affaire South African Rugby Association. Ces gens sont allés attaquer la décision du président Mandela lui-même, le grand Mandela. Il y a eu des crises en Afrique du Sud. Il y a eu des, des grèves parce qu'ils ne comprenaient pas comment on peut attaquer les décisions du Père de la Nation. Je raconte souvent cette histoire que j'ai reprise dans l'un de mes ouvrages. Eh bien, il y a eu des grèves partout en Afrique du Sud. Partout à Cape Town, à, à Kimberley, et à, à Durban et partout, il y avait des grèves. Et Mandela est allé lui-même devant un tribunal de Pretoria. Ce n'est pas la cour constitutionnelle en Afrique du Sud. Le président est allé devant l'équivalent d'un tribunal de grande instance de Kinshasa. Imaginez le président de la vu à Matete ou à La Gombe. Pas devant la cour constitutionnelle. Mandela est allé. Il a comparu ouais. debout et on a cassé son, sa décision. Et il est allé en appel, il a gagné. Donc ce n'est pas un problème. Ce n'est même pas un problème si euh, une, une ordonnance du président Félix Tshisekedi était, euh, et et, il dit était attaquée. Mmh. Non, c'est ça le droit. C'est ça le tas de droit pour lequel nous sommes battus. Oui, mais le Et alors, mmh. quand une ordonnance, vous estimez qu'il viole, elle viole la loi. Mais vous avez appris le droit. Mais vous avez des juristes dans ce pays. Aller devant le Conseil d'État. Oh, je ne veux pas vous le dire. Mais Il ça, y a une juridiction. Mais ça n'empêche pas la présidente de l'Assemblée nationale non, de mais... discuter avec le président de... sur la question d'une de... probable violation non. de la Constitution. Non, attaquer. On peut attaquer. Parce que là, vous commencez à discuter de l'ordonnance président. Parce que les ordonnances du le président, le comme les discours qu'il fait à l'Assemblée, mmh. ne donnent pas lieu à des débats. Bah, au, au, au sein de l'Assemblée, mais pas en dehors de l'Assemblée. Non, vous, Ils vous peuvent voir. discuter fraternellement ou... Euh... Fraternellement, c'est l'institution président de la République. Quand vous allez chez le président de la République, ce n'est pas Félix Tshisekedi que vous allez rencontrer. Vous rencontrez une personne physique, mais c'est la première institution du pays. C'est le, le, la... le président de la République. l'institution. Ce n'est pas la présidence qui est une institution chez nous. C'est le président de la République. Alors faites attention. Vous pouvez, vous buvez avec lui, c'est votre ami, et ainsi de suite. Vous avez des relations avec lui, mais quand vous allez là-bas, vous rencontrez le président de la République, le chef de l'État. Mais ce n'est pas la première fois que cette la histoire arrive. Pourquoi le chef de l'État continue à cautionner des choses comme ça Parce que ce n'est pas la première fois qu'il qu va, y, qu va rencontrer le président et qu'après qu'il fasse des communiqués contraires. Mais pourquoi on continue à les recevoir C'était très éduqué. Oui, mais alors et là, c'est l'institution de la. C'est l'institution où c'est le président Il ne fallait pas les recevoir pour ça. Donc, dans tous les cas, pour des bonnes relations, parce que c'est lui qui assure la continuité de l'État, il oui. devait quand même les entendre. Ce oui. n'est pas un problème. Et ils le font souvent. Il ne faut pas condamner le président, et, et l'honorable Mabunda ou Tamboué, pour ça. Oui. Mais aussi, je trouve, positivement, il faut entrer des choses positives, et positives. Ils ont l'occasion d'apprendre. Parce que oui. vous savez, apprendre. On, on dirait pas pas la... Tiennent sur la On route. doit vous apprendre que voilà ce que dit le droit. Mais ils tiennent sur leur position, que le président n'a que... pas respecté, Il a a pas pas respecté que... la loi et qu'ils que ne, ne vont pas siéger mais quand lors nous, de la prestation. Quand nous sommes, je vais revenir. Gardez oui. cette question-là, je vais revenir. Oui. Écoutez, nous avons des étudiants qui ne comprennent pas. Mais vous ne comprenez pas, vous échouez. Combien de fois vous avez le pauvre Jacques Ndolé Combien de fois je vais dire modestement aux Congolais quelle est la voie à suivre Évidemment, je me trompe aussi, je peux me tromper, mais pas sur cette question-là. Pas sur cette question-là, il n'appartient pas. Madame l'honorable Mabunda, l'honorable Tamboumamba, ils n'ont aucun, aucune qualité pour discuter des honoraires présidentielles. Non. Et puis, il faut aussi faire une part des choses. Ce n'est pas parce que vous êtes à la tête d'une institution que vous êtes l'institution. L'honorable Tamboumamba est président du Sénat, il n'est pas le Sénat. L'honorable Janine Mabunda est présidente de l'Assemblée nationale, c'est ma présidente. Elle n'est pas l'Assemblée nationale. Donc, il faut faire la différence entre président et président. Mais il est institution. Le président, lui, est président et l'institution. Ok. Les autres institutions. L'Assemblée nationale, c'est une institution, mais ce n'est pas vous la présidente. Le Sénat, c'est une institution. Ce n'est pas vous l'individu président du Sénat. C'est ça la différence. Donc, il faut faire attention quand vous allez parler avec le président de la plupart. Lui est une institution. Et puis, soyez sur le côté que ce que vous dites, est-ce que vous l'avez débattu au sein de l'ordre Il ne faut pas transformer vos humeurs. J'ai des points de vue personnels, par exemple. Et je dirige un institut, l'IDGPR, par exemple. Je ne peux pas vous dire que c'est nécessairement le point de vue de l'institut. Vous dirigez l'Assemblée nationale, vous êtes présidente. Mais ne transformez pas. Votre point de vue n'est pas nécessairement celui de l'institution que vous dirigez. Vous n'êtes qu'un. Un responsable. Mais quand elle prend les pour, le président, est-ce que c'est l'Assemblée, est-ce que c'est vous, le député, qui l'envoyez, ou elle est fait seule Qu'est-ce qu 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 que la loi prévoit non, elle, elle représente l'Assemblée, même sans la, vous consulter dans, dans les rapports, mais sur des questions fondamentales, il, il faut faire attention. Mais comme celle-là, par exemple, sur, non seulement sur ça, mais mon avis sur la question du Congrès. Ou oui, les chefs des institutions dans notre pays, ils ont tendance à prendre leurs propres humeurs. Le propre point de vue, comme si c'était le point de vue des institutions qui dirigent. Il faut faire un distinguo entre moi, et président du Sénat, je ne suis pas président du Sénat, je peux le devenir, et l'institution Sénat. Entre moi, président de l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale de 500 membres, 500 députés nationaux. Donc il faut éviter que vos points de vue, votre position, vous croyez que la position... De 500 députés, c'est la vôtre. Non, il n'est pas nécessairement la vôtre. Ça, c'est un point de vue. Un autre point de vue, c'est quoi Vous êtes du FCC. Vous êtes du PPRD. Il ne faut pas amener les positions du PPRD, du FCC. Vous dirigez. C'est ça, être une femme d'État. C'est ça, être un homme d'État. Sur la question, par exemple, c'est que c'est le FCC qui a contesté. C'est Le FCC a le droit. C'est un regroupement politique. Lorsque les, les affaires, vous voyez que le président Félix Tshisekedi a fait le FCC, le PPRD peut contester ce sont des partis, nous sommes en politique. Mais ce n'est pas parce que vous êtes du PPRD, mais l'Assemblée nationale n'est pas du PPRD. Mettez-vous dans la position d'une femme d'État et d'un homme d'État, vous ne devez pas vous recevoir les instructions de votre parti politique. Alors pourquoi la constitution est claire euh, Le mandat impératif est nul. Ça veut dire quoi les mandats impératifs Le mandat, c'est-à-dire on vous dit par exemple, on vous dit, vous êtes du PPRD, notre position à nous, nous ne voulons pas les juges constitutionnels. Alors, allez dire ça à l'Assemblée nationale, allez dire ça au Sénat, vous venez à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous dites c'est ça ce qu'il faut y avoir. Le, voilà ce que ça signifie. Nous, le PPRD ou le FCC, nous voulons rassar Malonda. Ma Pour nous, c'est apprendre ou à laisser. Et vous, vous venez, vous forcez l'Assemblée nationale. Vous produisez la résolution. Vous violez même le règlement intérieur parce qu'on vous a dit ça. Non. Dites-leur, monsieur le président, dites-leur, Madame la Présidente, que vous dirigez une institution. Vous êtes un homme d'État, vous êtes une femme d'État, vous n'avez pas d'ordre à recevoir, euh, à, à recevoir du PPL ou du FCC. Alors, je serai moi-même président de l'Assemblée nationale, je ne recevrai pas de, de telles injonctions de mon parti politique, d'une dépense ou d'une autre. Vous êtes sûr non, Je même si je n'obtempérerai je, je pas. Oui. Je ferai ce que la Constitution veut. Oui. Alors revenons ici. Alors dites-nous ce que la Constitution veut exactement sur la question des juges. Qu'est-ce qui les oppose en réalité La question, donc, j'ai déjà dit, je crois qu'il faut que vos téléspectateurs oui. le tiennent. Ni le président de l'Assemblée nationale, la présidente, ni le président du Sénat, ils n'ont aucune compétence, ils n'ont aucune qualité pour des débats de l'ordonnance présidentielle. D'accord. Deuxièmement, débattre des décisions du Conseil supérieur de la magistrature qui a proposé... Vous allez débattre en tant que qui, mais c'est une, une dérive dangereuse. Qui a donné le pouvoir au président de l'Assemblée nationale Ou à l'Assemblée nationale Qui a donné le pouvoir au président du Sénat Ou au sénateur de discuter des décisions du Conseil supérieur de la magistrature Parce que le Conseil supérieur de la magistrature, c'est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. C'est un pouvoir différent de l'exécutif et législatif. C'est un pouvoir indépendant. Qui vous a donné ce pouvoir Est-ce qu'il est souverain ce pouvoir Bon, ben, il exerce. Vous savez, l'article 149, vous, aussi, okay. vous, vous, vous vous suivez. On vous dit, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Okay. Mais il est souverain. Donc, ils le font aussi, les magistrats, Quand, dans cette position-là. La constitution, l'article 149, vous dit, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Exact. Et qui est souverain L'article 5 de la constitution. La souveraineté appartient au peuple congolais. Donc, les juges sont en train d'assumer un mandat okay. au nom du souverain primaire. Le peuple congolais, nous, peuple congolais, nous leur avons confié ce mandat-là de faire, de rendre la justice. Mmh. nous, peuple congolais. Et vous, on vous a donné mission. Vous êtes au Parlement. Votre mission, c'est voter des lois, contrôler le gouvernement et les services publics. C'est ce que le gouvernement, c'est ce que nos peuples congolais vous avons demandé. Voter les lois, contrôler le gouvernement et les services publics. On ne vous a pas dit contrôler le pouvoir judiciaire. C'est quel article de la Constitution, où on vous a dit qu'il faut contrôler le pouvoir judiciaire. Alors, qu'est-ce où est-ce que l'article Vous avez la constitution. Mmh. Quel est l'article qui vous permet de contrôler le président de la République Il n'y en a pas. On doit apprendre aux gens combien de fois Il n'y en a pas. Voilà, non, on peut apprendre. La, L'Assemblée la, la, euh, nationale n'a aucun pouvoir de contrôler le président, ça on, on l'a compris. Mais est-ce que vous pouvez dire au Congo exactement qu'est-ce qui se passe Pourquoi l'Assemblée nationale boude le, cette ordonnance Pourquoi il boude l'ordonnance Qu'est-ce qui les. Ne tombez pas dans l'erreur, eh, Christian oui. La présidente Boud. Le président du Sénat Boudd. Ah d'accord. Tu n'as pas entendu. On le le sait pas, Sénat. Mais... Tu n'as pas entendu le Sénat vous dire que nous, le Sénat, boudon. nous boudons. vous l'avez entendu Très bien. Non. Non, pas, pas du la coup. présidente est allée. Oui. Est-ce que nous, nous avons déjà eu une plénière où nous boudons Je suis député national quand même. Non, je, je, il je, a non, jamais. Je, je partage il, avec eu représentant de la nation. Il n'y le... il a jamais eu. Ré <laughs> il n'y a pas eu de une plénière ou de, de bouderie. Il ouais, n'y a pas une plénière de bouderie, donc personne n'a boudé. Non. Ok, mais pourquoi la présidente boude Ça n'a jamais été inscrit à l'heure du jour. Nous avons repris, la session a commencé. Je n'ai jamais vu un point à l'heure du jour où nous allons débattre des honneurs présidents. Non donc, il faut corriger. D'accord, on qui corrige. Qui vous a dit que l'Assemblée boude ah, Alors, on corrige. Pour, ne pourquoi? confondez pas les individus. Oui, oui. Alors, pourquoi Ils la présidente? pour mmh. la volonté d'une assemblée, pourquoi, plénière de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Pourquoi la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat boudent les ordonnances du président Bon, je crois que vous devrez euh, leur poser la question. Mmh. Mais je devine, parce que les... moi, je suis... Vous voyez, au mois de juillet, mmh. c'est le FCC qui a fait un communiqué, la conférence des présidents. En réalité, il n'y a rien de nouveau. Le président du Sénat, et l'honorable euh, président de l'Assemblée nationale, que je respecte beaucoup, euh, ouais, même quand on n'est pas d'accord. Parfois on peut s'entendre d'être en accord quand on est en désaccord. Parfois on peut s'entendre pour ne pas s'entendre. Nous sommes d'accord. Mais ce que je voudrais dire, c'est ici c'est agir un, un peu comme le chargé des missions des FCC. Le c'est aboudé, on, a, on connaît le communiqué mais c'est exactement le même discours qu'on entend du président du Sénat rien de neuf de la présidente rien de neuf comme s'ils étaient des chargés des missions du FCC ou du PPD non ce sont ils doivent être c'est un homme d'état le président du Sénat une femme d'état la présidente de l'Assemblée nationale ils n'ont qu'à faire de ça ils dirigent on est. Est une, ce sont des fonctions vraiment prestigieuses diriger une assemblée nationale mais les, le, les représentants de la mais le Congo, Donc, oui, le, Ici, le, ils ne font qu'en transposer les humeurs le Congolais, FCC. Le, Congo voudrait, le Congolais voudrait savoir les juges qui ont été nommés par le président de la République sur proposition du, du conseil des ministres. Le deux juges du conseil supérieur, du conseil supérieur de la magistrature. De le deux juges qui ont, pour les, pour, en termes, le, le président a dit, ils ont décidé de mettre en berne leur carrière. Alors, pourquoi euh, pourquoi ces des juges là se mettraient leur vie et leur carrière en, en, en merde Pourquoi Non mais l'expression mettre cest à c'est fini leur carrière. Mais pourquoi ça devrait finir Non mais parce qu'ils ne, ne sont plus juges à la Cour constitutionnelle. Mais... Parce que on vous a dit quoi Ils ont été nommés. Ils ont accepté comme juges à la Cour de cassation. Ils venaient du Conseil supérieur de la magistrature. Le même Conseil supérieur de la magistrature qui les avait envoyés à la Cour constitutionnelle, le même, les a retirés pour les envoyer à la Cour de cassation. Le président n'a rien à voir là-dedans. Et puis, ils ont accepté, sans réserve, d'être notifiés. Ils étaient prêts à les prêter serment. Ils ont été en, une, en erreur par certains démons des, de l'inanition de la nation, pas' président de l'inanition de, de la nation. Ils n'ont pas exercé le droit d'option pour... pendant les huit jours. quand vous... Non, vous devez dire si vous acceptez ou si vous n'acceptez pas. Ils ont fait passer le délai, c'est faux clos. Bon, maintenant, quand vous n'avez pas prêté serment, la, euh, la loi organique portant statut des magistrats, il dit que vous avez 30 jours pour prêter serment. Ils n'ont pas prêté serment. Dans les 30 Donc, jours, toutes les conditions sont réunies. Pour que maintenant, le président de la plus constate, prenne une ordonnance qui constate leur démission d'office. Mais, mais pourquoi il ne les prend pas il, doit, tout... il va le faire, le... Le faire J'ai écrit personnellement, c'est à titre personnel, pas comme député, pas comme une Le président de la plus doit, sans délai, mais pourquoi il prendre si... une ordonnance. Je l'ai invité, j'ai invité le président. Mais pourquoi il est si long pour long Pourquoi il est si lent pour agir euh, Bon, il respecte les procédures et tout ça, mais je crois que ça ne doit plus... J'ai personnellement invité, ce n'est pas que je donne... Le président de la République, pour expliquer que c'est conforme, tout ce débat a été inutile. Donc, le président de la République, je crois, qui est le défenseur de l'état des droits, il devrait signer une ordonnance portant la démission de fils des deux magistrats. Et en ce qui concerne les juges de la Cour constitutionnelle, oui. ils vont prêter serment Quand euh, Ils doivent Devant qui Incessamment, ils vont porter serment. Devant vont. qui Et si Mme Abunda ne vient pas, si M. Tambomomba ne vient, la réponse vient pas. est claire. Vous oui. savez. Dans les gouvernements politiques, il faut avoir des constitutionnalistes. J'ai toujours dit, on, on dit qu'on est arrogant. Et c'est ce qu'on est arrogant, Christian. <laughs> ben, on a toujours dit tout juriste n'est pas constitutionnaliste. On dit que c'est une super chérie pour vous. Toute personne n'est pas vous, juriste. Vous faites le chantage tout, à tout le monde. Non, ce n'est pas du chantage, mais vous avez étudié, non Mais si j'ai passé 30 ans à étudier le droit consonnel, et vous, vous avez passé 30 ans à faire la pédagogie, où est mon problème, Christian à étudier la chimie ou la mécanique, vous avez passé 30 ans, je vous respecte. Le professeur Mbata ou le professeur ou d'autres, ils ont passé 30 ans, 35 ans, à étudier le droit constitutionnel et à enseigner le droit constitutionnel et pas dans n'importe quelle université, et dans ce pays, et sur le continent, et en dehors du continent. Même les Français ont entendu le professeur Mbata parler du droit constitutionnel chez eux, dans leurs universités, demander à ceux qui étaient à l'université de Paris 13, demander à Paris Sud, qui sont qui est l'une des meilleures universités de France ou d'Europe. Donc, il y a des spécialistes en tout. Oui, mais... Ça, Alors, ici, je reviens pour... Résolvons dire. le problème. Qu'est-ce qui va se problème, passer si les deux passer, ne viennent pas Ils vont prêter serment. Devant qui Le président de la République. Mais si le madame ne vient pas et monsieur ne vient, ne vient pas Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Mmh. Ils vont prêter serment. Et ça sera conforme à la loi Ce sera conforme à la loi. Est-ce que vous ne rendez pas Félix Tshisekedi je, je ne pas rends pas le, le, que Félix Tshisekedi et voilà la loi dont nous parlons. Allons-y, dites-nous. Voilà dites la loi en question. Oui. Le président, le pauvre André Mbata est en train de dire ceci, que les trois juges vont prêter serment devant le président de la République et ce serment sera valable et ils vont entrer en fonction. Et il y a des petits malins, des charlatans qui voulaient essayer d'induire en erreur, non, nous allons bloquer au niveau du ceci, Non, ils ont appris les, les droits concernés. Mais apprenez quand même aux gens de vous conseiller. Voilà la loi. On ne parle pas. Et quand je parle, moi, c'est avec des textes. Et puis c'est vous qui l'avez dit. C'est ce que les gens disent. Quand on parle à l'un des meilleurs constitutionnalistes du pays et du continent, il doit y avoir des textes. Oui. C'est l'article 10. L'article 10, je, je peux le lire. Voilà. Voilà. Lisez d'abord. Quelle est la, la loi en question La loi, c'est la loi organique numéro 013, 0 026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Article 10. Article 10. Avant d'entrer en fonction, avant d'entrer en fonction, oui. les membres de la cour sont présentés à la nation, oui. devant le président de la République, oui. l'Assemblée nationale, oui. le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Ils prêtent devant le président de la République le serment suivant Moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement des fonctions des membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne vote, prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité, et la dignité de la Cour. Le président de la République leur en donne acte. Voilà. C'est ça la loi. La loi organique, pourtant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est une loi organique. Avant d'entrer en vigueur, donc, elle était déclarée conforme oui. à la Constitution par la Cour constitutionnelle. C'est l'article 10. Vous venez de le dire. On n'a pas besoin de congrès pour recevoir le serment. Que nos amis qui ne comprennent, on ne demande pas le congrès. Il n'y a pas de congrès pour le recevoir. Il ne faut pas rêver, croire qu'il faut le congrès. Non, vous venez de lire la loi, pas de congrès. Il faut juste l'Assemblée nationale et le Sénat. Devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais est ce qui a l'Assemblée nationale président Il, est prête, sans il est prête serment qui Et ici, nous, nous allons à la loi, non hein C'est-à-dire, il prête serment devant le président de la République. Oui. Et qui leur en donne acte C'est le président. C'est le président et alors ils entrent en fonction. Ce n'est pas le président de, du Sénat qui leur en donne acte. Et d'ailleurs, vous avez déjà vu quand vous allez à la présentation des sénats, où est-ce qu'ils se mettent ben, Comme tout le monde, hein? ils se mettent avec tout, avec, avec tout le monde. Et qui se met devant Seul le président. Mais le président de l'Assemblée, du Sénat, ils sont assis avec nous tous, avec les députés, vrai. les sénateurs, comme ouais. parmi tous les, tout le monde. Ouais. Vous les avez déjà vus à la tribune euh, Non, non, pas du tout. Une non. seule personne est à la tribune, c'est qui C'est le président. C'est le président de la République. Mais est-ce que l'absence de la peut déranger Allons, parce qu'on pose des questions, il faut oui. que voter téléspectateurs, écoute. Exact. Qui leur donne acte de prestations du Sénat On a dit que c'est le président. C'est oui. le président de la République, pas du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Pendant qu'ils qui leur en donne acte, vous vous êtes là dans la tribune comme tout le monde. Bon, voilà, ils sont présentés, donc il n'y a pas besoin du congrès. Oui, pour le congrès aussi. Maintenant, à la, ils sont présentés devant l'Assemblée nationale. Oui. En fait, qui organise la manifestation On va vous envoyer des invitations, non, Christian oh. oui? La prestation des serments, des juges constitutionnels. Vous êtes président de l'Assemblée nationale, oh. votre invitation. Je suis député national, et je recevrai aussi mon invitation. Mais, Christian. J'irai là-bas, je n'ai là pas un rôle à jouer. C'est seulement pour euh, voir les nouveaux promus, euh, leur sourire un peu et les applaudir. Évidemment, par ce temps de Covid, vous n'allez pas permettre ces embrassades. Le président du Sénat et l'Assemblée, ils viennent pourquoi Ils viennent avec nous pour applaudir. Et c'est tout pour les saluer les nouveaux promus. Et vous avez, ce sont ces juges qui vont rendre les arrêts quand vous allez aux élections. Qui déclare les résultats définitifs de l'Assemblée la, nationale La Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle. Oui. Mais vous, vous êtes, êtes député. Mais vous pensez aux prochaines élections, non En 2023. <laughs> Donc ce vous sont dites, ces gens-là qui vous, vont. Vous n'avez pas le droit de les bouder. Non, mais, mais vous, si vous allez là pour, les bouder, pour leur sourire pas. et pour applaudir, et pour les voir. Parce oui. que ce sont des gens qui vont, qui vont dire si demain, en 2023, vous êtes réélu ou pas. Évidemment, le pauvre Mbadan sera réélu comme le président Félix Seguin. Oui. <laughs> vous, vous, <voyez. rire> vous êtes issu. Alors vous voyez voilà le rôle. On t'envoie l'invitation. Mais Christian, vous avez, il n'y a pas très longtemps, vous avez organisé un très bon mariage avec votre charmante épouse et j'étais là. <laughs> mais si un invité ne vient pas, il annule votre mariage. Mais c'est quel invité <laughs> mais, alors, <laughs> Non, non, mais, non, non, mais, non, 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 mais, non, non, non. Moi, j'ai bien aimé là-haut. Écoutez, à votre frère, c'est. Vous, c'est mariage religieux. C'était pompeux le mariage de Christian. <laughs> vous invitez le président Félix Tshisekedi ou la première dame d'Église Nyakiru elle ne vient pas. Votre mariage est annulé. Non, pas du tout, ça continue. Non, mais... <laughs> quel que soit l'invité quand même. Oui, quel que, quel que soit l'invité. Donc, ici, la lumière, lumière de, de ce qui se passe. On a compris tout ce que... elle qu on pré... a compris. Oui, moi, je vais récapituler. On a compris ici que et le, le président du, du Sénat, oui? la présidente de l'Assemblée nationale, sont des invités. Et leur présence ou leur absence ne dérange en rien la prestation de serment. Mais ils ne sont pas l'Assemblée nationale. Alors, la alors, la question on est devant l'Assemblée nationale. Oui, oui, on a dit que le président... Et l'Assemblée nationale. On a dit devant l'Assemblée nationale. Est-ce que moi, devant l'Assemblée nationale... Devant le Sénat. Est-ce que les députés de soupa... Nous mais, serons là... Mais la question, maintenant. Est-ce que l'Assemblée... <laughs> mais la question. Ouais. Et si on n'ouvre pas la porte de l'Assemblée nationale... Est, disons d'abord ceci. Hein? Ne leur prêtez pas des intentions. Je crois que l'honorable Mabunda sera là. C'est si une on femme d'État. Elle viendra. Mais si elle hein, ne hein, pas On est dans l'hypothèse où on ferme les bureaux. Euh, parce que c'est eux qui détiennent les bureaux. C'est eux qui décident sur si l'Assemblée va être ouverte ou pas. La salle sera ouverte ou pas. Et si on ferme la salle Ben voilà. On y va progressivement. Ah, très bonne question, Christian. Je crois que c'est devant ici à Congo-Bez que je vous ai expliqué la théorie de ce que j'appelais les trois palais. Oui. Qu'il y a trois palais dans ce pays. Vous avez le palais de la nation. Qui est occupé par le président de la République, qui représente la nation, en face de lui, à moins d'un kilomètre, vous avez le palais de justice. Et parce que la justice est rendue au nom du peuple, donc le palais de justice est aussi un palais de la nation. Et vous avez le palais du peuple. Vous voyez, vous avez les trois palais. Mais le président de la République, il peut recevoir ce serment dans l'un des palais C'est-à-dire, -ce -ce que... le président lui-même, il est prêt prête serment où au palais de la nation. Oui. Le président peut inviter tout le monde à recevoir les jugements, l'arrêt, le, 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 le serment. Est-ce que la loi dit ça La loi ne parle pas d'endroit. Regardez par exemple les actuels, le premier président de la Cour de cassation oui. Oui. et les autres magistrats qui étaient nommés il y, a, il y a quelques temps. Mais ils avaient prêté serment au palais de la nation. Donc l'endroit, ce n'est pas... Ce n'est pas à peine de. Est-ce que je peux relire pour voir si on n'a pas parlé de l'endroit Vous pouvez relire. Oui, oui. Et puis disons d'abord. Oui. Mais il y a deux personnes, deux catégories de personnes qui représentent la nation. Oui. Oui, dans ce pays. Et j'ai le prestige de représenter aussi la nation. La Constitution dit que les députés nationaux représentent la nation. Les députés nationaux représentent la nation. En dehors d'eux. Il n'y a qu'une autre personne qui représente le la nation. Président. Le président de la République. Palais Et de... le palais du peuple, si c'est le palais du peuple, oui. le palais de la nation, le président demande de venir au palais du peuple, vous allez fermer Si les députés eux-mêmes, nous décidons d'aller au palais du peuple, nous qui représentons la nation, vous allez fermer le palais du peuple au président de la République J'aimerais bien voir ça. Hein? Regardez, l'endroit là... n'est pas... Et on vous a dit où ah. il prête serment Exactement. Avant d'entrer en fonction. C'est l'article 10. Hein. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la nation. Devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représentés par son bureau. Vous avez vu l'endroit On vous a dit que ce n'est pas le palais du peuple, ça le serment n'a pas de valeur. Il prête devant le président de la République. Le oui. Et puis c'est tout. Et puis après, on dit le président de la République, leur on donne acte. Oui. Mais pourquoi vous n'avez pas prévu un endroit Non, on n'a pas prévu. On n'a pas prévu un Parce endroit. que ça peut se tenir partout. Ça peut se tenir partout. Parce que l'Assemblée nationale aussi, et supposons que vous êtes en temps de guerre, que Kinshasa est prise, mm. et que nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous nous décidons de nous réunir euh, euh, de nous réunir à... Euh, à Béni, mm. ça va aller. Ou bien à Gemena, mm. ou bien à Zongo, ou bien à Pupukaba. Quand nous pouvons être là-bas, nous représentons la nation, c'est partout. Très bien. Alors, ah, on va donc, ouais, mm. Je crois que ça c'est assez clair. J'espère que tout le monde a compris. Alors, Mais oui. là encore, je dois préciser, oui. on ne doit pas prêter les intentions. Je crois que l'honorable Janine Mabunda, la ma présidente de l'Assemblée de mon institution, il sera là. J'espère qu'elle ne sera pas indisposée. J'espère que le président bas du Sénat. Il sera là pour, parce qu'il n'y a pas de congrès, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de décision à prendre. On ne va pas vous dire qui sont pour, qui sont contre. Non, ils sont déjà nommés, Il n'y a pas qui sont pour voter, qui sont contre, non. Et les deux juges, pour terminer bon, bon Alors, il faut terminer. Pourquoi est-ce qu'ils sont présentés devant ces trois groupes-là oui. Parce que nous avons neuf membres du Conseil de la Cour constitutionnelle, mmh. tous nommés par le président, mais trois sont nommés par le président à sa propre initiative. Trois sous l'initiative du par de Parlement et trois sous l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, dans la philosophie du constituant, ils sont présentés devant eux parce qu'ils viennent de, le, de ces trois composantes-là. Mmh. Vous comprenez C'est comme ça que le constituant a voulu les choses. Alors, vous avez la, la, la question qui se Oui, mais avant d'abord, avant eh, oh, actuellement, pendant que nous sommes en train de faire cette émission, comment est composée la Cour constitutionnelle Quelle est sa situation maintenant Comment elle est constituée en ce moment, pendant que nous tournons cette émission Il y a oh. combien de juges maintenant Bon, il, y a, il faut exclure, donc, il y a, il y a, il y a moins de juges. Prenez neuf, moins trois, ça fait six. Est-ce qu'en ce moment, ils peuvent prendre une décision qui touche l'État, qui, qui engage le pays Bon, mais c'est difficile parce qu'il y a des problèmes de quorum. Il, il y a des problèmes de quorum. C'est pourquoi il est important, le président Félix Tshisekedi en tant que chef de l'État, il ne peut pas laisser cette situation perdurer. Non L'état de droit, vous ne pouvez pas avoir l'état de droit dans notre pays sans une cour constitutionnelle et opérationnelle. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Parce que de tout le monde, même de l'opposition. Pourquoi c'est dans l'intérêt de tout le monde Supposons que le président Félix Tshisekedi prenne des mains des textes qui violent la Constitution. Non, non. Euh, ou qu'il y ait des, des attitudes, ou qu'il faut les juger. Ben, évidemment, on ne va pas les juger. Il n'y a pas de trahison quoi que ce soit. Mais... Lorsqu'il y a des cas de, en matière de, de contrôle de la constitutionnalité, des lois ou des actes ayant force des lois, si cette Assemblée ne fonctionne pas, cette Cour ne fonctionne pas, mais nous sommes dans l'illégalité, l'état de droit est en péril. C'est pourquoi je dis l'état de droit est en péril. Il est plus qu'urgent que le président de la République, qui a prêté serment, qui est le représentant de la nation, qui, est le, qui assure la continuité de l'état, il est plus qu'urgent qu'il constate la démission d'office des juges Oboulou et Kilomba et qu'il reçoive le serment des trois nouveaux juges constitutionnels. C'est si si je si. j'ai compris pourquoi on se bat tant, Vous comprenez finalement que le juge Oboulou et Kilomba, c'était en réalité de des d'émission d'un certain regroupement politique. Parce que comment vous pouvez, pour des individus, vous pouvez tant vous battre. Donc ils étaient déchargés d'émissions. Eu Eux-mêmes ils... n'ont pas voulu. Et ils disent qu'ils se battent pour la légalité, pour les... Les non, textes. le respect Non, disons ceci. A... Vous oui. savez, la violation de la loi des textes. Mais c'était leur jeu favori, de... le jeu favori du gouvernement qui nous a précédés. C'est même dans le cas de Minéboué. Les décrets ont été signés. Sans avis conforme de la manière Je, je comprends. Non, quand vous n'avez pas, vous n'avez oui. pas de leçons à donner en matière de cas de droit. Alors, en matière, nous sommes attachés au texte, oui. nous sommes respectueux des textes. Ah, C'est une très bonne chose. Si l'avènement de Félix je vous pas vous a appris à être attaché au texte, oui. parce que pendant 18 ans, vous n'étiez pas attaché au texte. Par Et ça, nous, nous apprécions. Très bien. Que tout le monde soit maintenant euh, attaché au texte. Et appr nous apprécions. Moi personnellement, j'apprécie que tout le monde soit devenu sensible. Ça ne fait pas mal. Les actes, il faut être vigilant dans un état de droit, même quand ce sont les actes du président de la République. Très bien. Il faut alors, être vigilant, faudrait... mais alors il faut être comprendre bien qu'on en est Et... de la Constitution pour ne pas tomber dans des hérésies. La question du Minimboué, encore là, le président est, est attaqué. Le président dit que ça s'est passé quand il n'était pas là, il n'était pas au courant. Est-ce que ce n'est pas, pour certains, c'est simplement de l'irresponsabilité en tant que président Il est censé tout connaître, il est censé tout, tout savoir, il est censé être informé. Mais comment le président peut-il être euh, ignorant de la présence, d'abord du déplacement d'un de ses ministres, de la présence de, de l'ambassadeur euh, la américain, du déplacement du chef d'état-major Comment le président peut-il ignorer ces choses-là Bon, disons d'abord une chose. Je crois, nous, peuple congolais, on doit être beaucoup plus vigilants. Parfois, ça fait mal. Je mmh. suis déjà intervenu sur ce cas de Minimou. Est-ce que vous vous imaginez qu'en 2013, les communes sont créées par décret du Premier ministre Matata Là, vous ne répondez pas à ma question. Je, vais, je, réponds, tout, je réponds toujours à toutes vos questions. Ok. Avant que vous me disiez que je prends, euh, vous vous plaignez que je prends trop de temps. Je vais toujours répondu à vos questions. Oui, mais ma question est à complètement. De comment les chefs d'état peuvent-ils ignorer Je vais y arriver. Allez-y. Donc, 2013, on crée les communes sont, euh, sont créées sans avis conforme de l'assemblée provinciale. provinciale du Sud-Kivu. Et tous les Congolais s'étaient Est-ce qu'ils savaient ça Même vous, les jeux de la presse Évidemment que... pas vous. Vous voyez la télévision, mais les communes. Mais c'était en 2013. Où étiez-vous, messieurs oui. En 2015, on suspend. Il y a sur surséance. Bruno Chibala, en 2018, avant même l'avènement de Félix, il lève la surséance. De, de, de tous, on doit installer. Et tous les Congolais sont là. On attend seulement et on a fait un événement. Où est-ce que vous étiez On voit même des politiciens. Où est-ce que vous étiez Mais vous étiez là quand on prééminente, oui. Et d'autres communes sans, sans avis conforme de l'Assemblée. La, 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 Où est-ce que vous étiez C'est votre famille politique. C'est votre famille politique qui a fait ça. qui n'ont jamais légalisé, qui n'ont jamais euh, installé les bourgmestres, disons, les, la commune ou les bourgmestres. C'est sous Fachi qu'on va le faire. Et dans l'imaginaire la, dans la, dans collectif, Félix Tshisekedi porte à grande porte. responsabilité. Donc, Félix Tshisekedi n'a pas de responsabilité là-dedans. Tous les décrets, c'est l'ancien régime. Mais il a une responsabilité parce qu'il assure la continuité de l'État. Bon, le ministre... Nous avons des institutions, vous avez le président de la République et le gouvernement. Le mmh. gouvernement est dirigé par le premier ministre. Mais qu'on respecte quand même le président de la République. Quand un ministre se, dé, se déplace, ce n'est pas le président de la République. Le président de la République ne signe même pas l'ordre de mission des ministres. Ce n'est pas lui qui a signé l'ordre de mission de... Ce n'est pas lui. Mais quand même, qu'on respecte le président de la République. Mais comment il peut dire bon, qu Aucun courant... ambassadeur se déplace Il n'est pas au courant euh, formellement. On lui a pas dit quand le, 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 monsieur, le ministre Robert se déplace avec un ordre de démission signé par le premier ministre et m le, le m monsieur Robert en lui-même il a tenu une conférence de presse. oui il a dit qu'il le était il a, au courant mais il a dit quoi il a dit le président au courant il a dit que dans, son ordre, dans son ordre de démission oui. c'était quoi la caravane de la paix lui-même l'a dit oui et alors le président même s'il a pris il sait qu'il est parti là-bas pour la caravane de la paix pourquoi alors on doit, parce que le, le concerné, le ministre Roubaix, lui-même, on a dit non, Roubaix a dit, finalement, le ministre Roubaix a parlé. Il, Il est parti dans son ordre de d'émission. C'est écrit caravane de la paix. Oui, mais discuter en conseil des ministres, le président. Oui, était caravane, au courant. caravane de la paix, l'installation à Minembwe, ce n'était pas la caravane de la paix. Oui, mais il dit que le président était au courant de son déplacement. Mais comment le président dit bah, qu'il n'était bon, pas mais au le, courant mais dans le, le, Si le président voit l'ordre de mission de M. Roubérois, c'est écrit il va dans l'Est avec tel ministre, mission caravane de la paix. On n'a pas marqué Minembwe. Comment est-ce que le président n'est pas au courant -ce Donc, ce on, a driblé, a pas on a dribblé le président de la République. Est-ce que vous comprenez, on doit, l'ordre Long démission de M. Robert a dit, il va à la caravane de la paix à l'est. Nulle part n'est écrit minébreux. Nulle part qu'il va installer il Minouembo. Et quand le président a dit qu'il n'était pas au courant, il a tout à fait raison. Bah alors, donc, ça veut dire que c'est très grave si le président n'est pas ah. au courant, que l'ambassadeur peut se déplacer, que le chef d'état-major peut un se ambassadeur, déplacer. Un ambassadeur pour se déplacer dans le pays n'a pas besoin de l'autorisation du président. Mais le président doit être informé quand même. Il faut pas les services Mais pourquoi les oui. coïncidence Pourquoi une coïncidence Pourquoi une cette dans un question endroit. doit être résolue, et résolue Parce que les intéressés ont répondu. Oui. L'ambassadeur a dit qu'il était là par hasard. L'ambassadeur à Monsieur Ham des États-Unis. Il a dit lui-même qu'il n'était pas, il était là par hasard. par hasard, il était dans une autre mission. Oui, Alors le président n'est pas informé. Le mm -hmm. président peut savoir qu'il est allé saluer le docteur Mukwege. Hein? Oui. Il était... Mais il était là, il était par hasard. Est-ce que c'est sérieux Bon, il... deuxièmement, le président, n'a pas il vu nulle part l'installation des minéraux. Et là, le ministre Robert lui-même le dit. Il dit que ce n'est pas lui qui a installé le bourgmestre. Il, il dit que toute la responsabilité revient au ministre provincial de l'Intérieur. Oui. Donc, Mais, le, le président n'y est pour je rien. Je reviens sur la oh, question oh, de Denis J'ouvre une parenthèse et je la fermer très rapidement. Professeur Mbata, comment vous expliquez que le docteur Denis Mukwege soit protégé dans son pays par des étrangers Comment vous expliquez cette situation Bon, C'est-à-dire le docteur Mukwege eh, qui est un ami et qui a fait un travail remarquable, qui est jusque-là la, la seule personnalité de la région à avoir le prix Nobel de la paix mérite tous nos égards et toute notre protection. Mais quand vous voyez ce qui se passe à l'est, je crois qu'il a besoin. Il est Prix Nobel de la paix. Il est congolais. D'abord, il doit être protégé par la, les services secrets et l'armée congolaise en premier lieu. En premier lieu, ils doivent assurer la protection de Dr Mukwege. Mais comme c'est le Prix Nobel de la paix ce ne serait pas mal. Et que la MONUSCO est encore dans notre pays. Il n'y a pas un problème qu'ils assurent la sécurité du Dr Mukwege. Sinon, vous allez poser la question, comment nous, nous sommes un pays indépendant Pourquoi est-ce que pour combattre les, les, les insurgés à l'est, pourquoi est-ce que la MONUSCO est là Vous risquez de me poser la question sur la présence de la MONUSCO. Alors, la MONUSCO est chez nous dans le pays, parce que nous avons des problèmes de sécurité parce que l'ONU nous aide, c'est pourquoi ils sont là, ils travaillent avec notre armée. L'ONU nous aide à perdurer ouais. l'affaire, au lieu de l'arrêter. Donc, le Dr doit être mmh. protégé, et vraiment protégé, parce que c'est l'un des, des bijoux que nous avons dans ce Oui, pays. un bijou que vous n'écoutez pas quand il vous demande d'ouvrir le rapport pink, vous ne l'écoutez pas quand il vous demande d'appeler le tribunal international ici au Congo, même si moi je ne suis pas d'accord personnellement, mais vous ne, vous ne l'écoutez toujours pas. Mais combien de bijoux on écoute Combien de gens écoutent le professeur André Mbappé Combien de gens écoutent le professeur André Mbad Mais vous devez vous en plaindre. Ah, alors. Donc, si vous nous voulez, c'est ça le problème. Il y a des Un pays qui ne pas sont pas les nations. Mais... Grandes sont les nations qui respectent les meilleurs d'entre eux. Grandes sont les nations. Et vous savez, vous ne pouvez pas être une grande. Chaque grande nation a ses modèles. Et Denis Mukwege est l'un des meilleurs parmi nous. Vous êtes d'accord avec son tribunal ça, on d'avoir un tribunal international. Ça, ça c'est autre chose. Je suis d'accord avec lui qu'on doit mettre fin à l'impunité. Je suis totalement d'accord avec lui que ceux qui ont commis l'injustice ne doit pas rester impunis. Mais vous n'êtes pas d'accord avec, avec ça, la création on... d'un on... tribunal international création... Moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de tribunal international. Je sais pas pourquoi je ne suis pas d'accord Non, même à l'époque, c'est une demande oui, qu'il a faite. Oui. Mais qui décide la création d'un tribunal international Que vous soyez d'accord ou pas. Que nous, on soit d'accord ou pas. Mais c'est le Conseil de sécurité. Des Nations Unies. Ce sont les grandes puissances. Donc, c'est pourquoi je ne veux pas entrer là-dedans. Il peut, mais on est total... il faut combattre l'impunité. Tous ceux qui ont commis des meurtres, des assassinats, des actes, des crimes graves contre l'humanité, ils ne peuvent pas rester impunis. On est totalement Moi, je suis d'accord aussi avec cette question de, de mettre fin à l'impunité et tout. Mais alors, revenons sur la question de Minemboué, professeur. Cette question dérange. À l'Occident, il y a des gens qui parlent de l'occupation congolaise. Ils voient le Rwanda partout, même lorsqu'il n'y a pas de Rwanda. Pour eux, il y a occupation. Le Rwanda nous domine. Le Rwanda veut annexer Minembwe. Félix Chisekedi a vendu le pays aux Rwandais. Et ainsi de suite. Tout ça, c'était dans l'accord et, et tout le tralala. Est-ce que l'on peut aujourd'hui retracer la vraie histoire de Minembwe Est-ce que c'est une question d'identité nationale Martin Fayoulou a été clair. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Félix Chisekedi a menti. Les Banyamoulengues sont des Rwandais et que nous, Congolais, selon Martin Fayou, Martin, nous devons revendiquer notre identité nationale. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est un appel à la... C'est une, une sorte d'incitation à, à un génocide ou alors à un crime, et ainsi de suite Comment ça va devoir se passer pour vous nous retracer l'histoire bon, Il faut d'abord dire une chose. Les Banyamoulengues, ce sont des Congolais avec l'article 10 de la Constitution. C'est l'article, c'est nous, peuple congolais. Vous dites qu'ils sont congolais. Oui, le président a été insulté pour ça. Voilà, c'est la constitution, voilà ce que nous, peuple congolais, qui est l'auteur de la constitution, c'est nous, peuple congolais. Oui. Hein? Donc, M. Rouberois ou tel autre, il peut commettre ses aventures, ce qu'il veut. Mais la, les Banyamoulengues, nous avons accepté à partir de cette constitution adoptée par plus de 85% du peuple congolais. Plus de 85%, nous avons décidé que tous ceux dont les terres, des groupes qui habitaient notre territoire avant l'indépendance, sont congolais d'origine. Ce n'est pas Félix Issekedi, ce n'est pas le professeur André Mbata, c'est la constitution de la République. Et dire que ces gens-là ne sont pas euh, des Congolais, c'est ignorer la constitution, il faut qu'on vous l'apprenne. Bon, et congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo. La question que l'on se pose dans cet article, l'ethnie de Banyamulenge, c'est quoi Les groupes ethniques, c'est-à-dire oui. il faut, il faut, qu'est-ce qu'on -ce qu entend par définition de l'ethnie en, 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 en sociologie Dites-nous, professeur. Oui. Ce sont les groupes. Ces groupes sont là, nous avons des rwandophones chez nous. La colonisation, il faut dire aux gens, conférence de Berlin 1885, nous devenons un État indépendant du Congo. 1908, nous devenons une colonisation, une colonie belge, le oh. Congo belge. Oh. Et pendant ce temps-là, nous avons des populations rwandophones chez nous. Peu importe, la nationalité, ce n'est pas la morphologie. Mais nous avons des gens qui, sont des, qui, sont des, des, qui étaient zambiens, qui sont devenus congolais. Nous, pro, nous partageons combien de frontières Le, Nous partageons plusieurs d'ailleurs. Hein, nous nous sommes un pays. Nous mmh. ne pouvons pas être là. C'est un débat dépassé. Je ne peux pas, en tant que constitutionnaliste, et entretenir... Ça, c'est un débat politicien qui n'a rien à voir. Donc ces gens là sont des Congolais D'origine D'origine. Donc ça ne vous gênerait pas qu'il devienne président de la République Non mais, mais Soyons quand même sérieux non Mais rubero était candidat à Président de la République ben, Il serait président ah. s'il était passé Oui il serait président, où est-ce que vous étiez Est-ce qu'on a entendu ce discours où M. Roubero a été candidat à Président de la République, il pouvait Il pouvait être élu, la SANI l'a proclamé Je suis consonaliste la Cour constitutionnelle a reçu sa candidature comme candidat à président de la République. La Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction dans, dans mon pays, elle l'a fait, elle a proclamé les résultats. Sa candidature a été acceptée. Robert a un Congolais. Il a été vice président de la République. C'est aujourd'hui que vous allez nier que Robert est rwandais Non, je ne partage pas ce discours-là. Évidemment, il vient pas. Mais moi, je suis la diaspora. Donc, les Oui, mais il mais, y, y a Honoré Mbanda, il y a Charlonana, il y a Condeo, ne pas seulement Il y a beaucoup. Non. Mais ce ne sont pas seulement des individus, ce ne sont pas seulement des individus, c'est des auteurs. Comme Moi, vous. Je... Ils ont écrit Ils aussi. Ils ne sont pas des constitutionnalistes. Oui, mais non, mais vous ça... comprenez. Oui, vous mais vous... La question du minimum n'a rien à voir avec la constitution. Quand, non, quand nous parlons de la nationalité, c'est une question de droit concerné. Ah. La... Exclusivement non? <laughs> non, pas exclusivement. Tout le monde, même les mécaniciens, même les pharmaciens. Même les chimistes ne peuvent pas parler parce que ce sont des Congolais. Oui. Tout le monde a le droit de parler. Mais vous voyez l'article 10, la question de la nationalité, c'est une question de droit constitutionnel. Ce n'est pas une question de géographie. Ce n'est pas une question de la botanique. Ce n'est pas une question de la médecine. Ce n'est pas non plus une question de la microbiologie. Ah, mais ah, mais, 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 ça, la mais cette question vous, vous divise, un Oui, mais cette question divise. Mais que les nations... Ils refusent de reconnaître le droit de Congolais. Ils, Ils refusent. Que, mais tous ceux qui sont à la diaspora, pas tous, mais non, pas un tous, bon nombre de gens. C'est certains individus, c'est leur droit. Mais vous avez vu le chef coutumier à Minemboué. Oui. Vous avez vu ce chef coutumier dire que Minemboué, ce n'est pas une terre de Rwandais, on ne le donne pas aux Rwandais. Nous, j'ai dit ça plusieurs reprises, nous n'allons pas tolérer la perte d'un seul mètre carré. J'ai dit ça. Moi, j'ai dit que Minembwe fait et fera tout partie du territoire congolais. Il n'y aura pas de balkanisation. Ce n'est pas un territoire rwandais, ni burundais. Mais habité le, occup... par... par les euh, par les descendants rwandais. Mais habité par qui sont congolais, qui sont devenus congolais. Évidemment, quand nous avons contrôlé, nous allons barrer la frontière. Ce sont les nouveaux venus là. Ce ne sont pas des banyamulenge. Ce sont les Tutsis qui sont, ils peuvent venir. Mais là, ce seront des étrangers. Mais ceux qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, en vertu de la Constitution, ils sont donc... Euh, ils, vous, ils sont enseigne, vous enseignez en Afrique du Sud, monsieur le professeur. Vous enseignez en Afrique du Sud, dans une grande université. Mais vous connaissez les Soto. Vous connaissez les pays qui, sont, qui se retrouvent dans les autres pays. Est-ce que les, les Congolais craignent que Minam devienne un État et qui se déclare État, et finalement on est parti. Non, ça c'est rêvé, c'est rêvé. Quand on entend le discours même des religieux, c'est rêvé. Il n'y aura pas de balkanisation. On ne va jamais perdre Minemwe. C'est un territoire congolais, il va rester un territoire congolais. Le reste c'est de la masturbation intellectuelle. Le président, ou politique. Le président de la République. Qu Est-ce qu'il est sur la bonne voie dans la question de Minemwe Gère-t-il bien cette question Il est sur la bonne voie, le président de la République, c'est le président de tous. C'est le représentant de la nation, il est le garant de la constitution. Et quand il annule verbalement un quand décret. il a dit, quand il. Non. Il, il dit, lui, il dit, il donne des institutions au gouvernement, il a mis en place une commission. Oui. Il va mettre en place une commission de scientifiques, oui. d'une façon objective. Je crois que lorsque les rapports de cette commission seront donnés au président de la République, on pourrait voir les, sur les délimitations, on pourrait revoir même les décrets qui ont été pris sans, euh, sans avis conforme la. Euh, des assemblées provinciales. Donc ah. le, le président de la République est pour le retour à l'égalité. Il est sur la bonne voie. Monsieur le professeur. La, la question de Minemboé a toujours divisé le Sud vous signent. parce que l'Assemblée du Sud Kivu n'a jamais donné un avis favorable à cette question de Minemboé, À la création d'une commune, le professeur Jacques, je lui disais même hier que la commune, une commune rurale est une absurdité, ça n'existe pas. Et donc, mais bon, les, la, la province n'a jamais donné son avis. Son avis. Mais pourquoi Minemboé se trouve toujours dans le projet, alors que l'Assemblée la, a toujours et a plusieurs fois dit non, non, non. Mais curieusement, dans le projet, on trouve Minemboé. Mais c'est ça le problème de nos amis qui ont géré le pays pendant 18 ans. Pour nous, si l'Assemblée provinciale n'a pas donné son avis, mais le décret du Premier ministre qui a créé, est pas, est, est, on risque de vous surprendre. Mais il n'y a pas que de Minemwe. Il y a plusieurs autres communes dans le nord et le sud qui vous. Oui. On a donné ces communes aux individus. Il n'y a pas de David d'Assemblée provinciale. Louvungi et bien, bien d'autres. Hein. Oui, on ne va pas inventer le pouvoir maintenant. Ce n'est pas que. Il y a plusieurs autres là-bas. Mino vous avez plusieurs. Là, oui. on n'a pas donné d'avis. Et c'est pourquoi euh, le chef de l'État a, a, a arrêté tout. Le il président a dit qu'il va mettre en place une commission pour mettre de l'ordre et respecter la loi. Donc, si elles ont été créées en violation, en violation de la loi, eh bien, ce décret-là viole la loi. Et là encore, qui a pris ce décret Mais c'est le pouvoir qui est parti. Et ils sont là. Hein? Et quand on prenait ce décret-là, où est-ce que les Congolais étaient Revenons sur le cas de la plainte. Je vous ai toujours dit, euh, Christian. Moi, je n'appartiens pas à un peuple de pleurnichards. Non. Les Congolais, ce n'est pas un pleurnichard. Oh, on va nous prendre. Pourquoi vous n'êtes pas un grand pays Pourquoi vous allez passer le temps à pleurnicher Non. Moi, j'appartiens à la race des gens qui se battent pour leur dignité et non pas qui passent leur, leur temps à, à, dans des jérémiades à pleurnicher. Sommes où on nous a pris Où on va nous prendre occupés par qui Par le Rwanda. Pas le Rwanda, je ne oui, sais pas. Mais, mais... occupé où Occupé où ben, Ils disent qu'ils ont... ont occupé le Congo. Les Rwandais sont en train Qui de. Ils ont occupé, ils ont occupé où Ils Et ont occupé le Congo. Ils quel ont... Rwanda le Rwanda, le Rwanda. Kagame. Oh. Félix Tshisekedi travaille sous l'impulsion de Kagame. Joseph je, Kabila est le gouverneur général du Congo. Et mais puis Okouberua est, c est un allié, est un Vous Tout ça, certains politiciens à l'extérieur ou à l'intérieur. Ils en ont fait leur fonds de commerce politique pour survivre dans les médias. Sinon, ils n'ont plus de vie. Ça, j'appelle, c'est de la masturbation politicienne. C'est la masturbation politicienne. Mais ça fait 20 ans que ce message continue à. Et a il, continue, il continue, nous n'avons pas perdu le Congo. Les Congolais sont tellement. Le sentiment d'union nationale, d'unité nationale, est tel que nous n'allons pas perdre un seul mètre carré du territoire congolais. Vous avez peur de Tutsi Power aussi, comme les autres les fonds, Le pouvoir Le Tutsi Power, qui serait, ça serait une sorte de juif. Euh, non, moi, je ou... voudrais croire en Congo Power. Pourquoi je dois parler de pouvoir des autres Pourquoi des autres seraient un power moi, je suis congolais. Nous ne serons pas un power. Nous passerons le temps à pleurnicher quand les autres s'organisent. Les autres s'organisent. Nous, nous avons le droit de nous organiser. Alors, ce je quoi, refuse d'appartenir à un peuple de... Je ne... Notre peuple, ce n'est pas un peuple de pleurnichards. Le peuple de Lumumba. Lumumba, c'est un... Ce sont des Congolais qui luttent que Lumumba a laissé. Lumumba n'a pas laissé des Congolais pleurnichards. Et j'appartiens un peu à cette race de Lumumba, à cette race de Tshisekedi qui se sont battus. Et sur le terrain. Ah, et, et, contre 20 et marée, malgré les arrestations, ils ne sont pas restés tout le temps. Moi, je pouvais aussi rester dans ma diaspora en Afrique du Sud, mais que, rester tout le temps, crier au-dessus. Venez sur le pays, reconstruisons le pays. Et je crois, il n'y a plus de. Les frontières sont ouvertes, il n'y a plus de gens qui sont à la mer Vous avez la possibilité, même si vous critiquez Félix Tshisekedi, Moss, vous, vous le critiquez, venez, on ne va pas vous arrêter. Nous allons tous nous battre pour changer le pays. Comment Au lieu de fin... rester, je crois qu'on doit mettre fin à ces histoires de diaspora? Mais... Le Congo est ouvert, venez, nous allons nous battre sur le terrain pour constituer le power Congo... des Congolais. Comment... Au lieu de nous plaindre de tout ces power, et Zulu power, et... non. Comment mettre fin à cette euh, crise, à Minimbué Ou à cette crise d'invivabilité entre les Nyamulenge et La et commission les va aider, je crois qu'il y a aussi un problème énorme de cohabitation et Oui, quoi. justement, mais l'intégration aussi. Oui, d'intégration. Oui. Et vous, vous savez, je vais vous dire une chose. Le problème des tribus. Mais partout les tribus cohabitent. Mais on doit dire ceci. Et même là-bas, mais avant l'indépendance, ils étaient là. Comment est-ce que vous cohabitez Pendant le temps de Mobutu. Vous voulez me dire qu'il n'y avait pas de, de Congolais de régime fond dans la. Mais ils étaient là est-ce que nous avons. Vous, vous êtes né quand même du temps de Mobutu, non Si. Est-ce que nous avons et tout ça oh, Je ne peux pas quand même être né sur le temps de Kagila quand même. Ah, voilà. <laughs> Donc, voilà. Oui. Donc, le problème, c'est celui-ci. Le tribalisme n'a jamais été un problème. Oui. La tribu n'est pas un problème. Jusqu'à ce que les politiciens en ont fait un problème. Mais il y a nos populations qui vivent mmh. côte à côte. Donc vous ne voyez pas les Rwandais derrière tout ça. Quoi? Le Rwanda derrière tout ça. Non, moi je voudrais me voir, moi, c'est-à-dire nous sommes, quand ça ne marche pas, disons, nous, Congolais, nous sommes irresponsables. Oh, Et je... puis quand ça ne marche Acceptons pas, on, nos... a été traîtres, quand, quand on a été traités. on a pas notre pays dans le sud qui vous là-bas. Mais regardez nos amis, ceux qui ont dirigé. Mais beaucoup viennent de l'Est. Et est-ce que vous les entendez d'ailleurs beaucoup parler de Minembo? Oh. Est-ce que vous avez regardé un peu les, les hommes politiques qui viennent de la même partie qui appartiennent au, ou à la Mouka, ou à Akash, ou au FCC. Combien parlent des Minembwe? En tout cas, de peu, on termine. En cette Donc, mission. ne passons pas le temps à nous plaindre. Ceux qui sont à Minembe, ils peuvent être, avoir une morphologie différente, mais ce sont des Congolais. Il Et va. ce territoire, il n'y pas de balkanisation, mais nous devons être vigilants. C'est partout. La vigilance est démise. Que ce soit à Minembwe, ou bien à Louf, ou ici à la frontière avec l'Angola, ou avec la frontière avec le Soudan avec Brazzaville la, Avec Brazzaville, mmh. on peut toujours nous prendre. Nous restons vigilants. C'est bien que les compatriotes restent vigilants, mais pas jusqu'à ce point-là. On ne prendra pas Et puis, on, on ne va pas aller à la balkanisation. Nous allons nous opposer. Notre peuple ne va pas accepter. On a terminé cette émission, mais il y a deux petites questions qui me reviennent. On a crevé les pneus de Martin Fayoulou hier. Et il a dit qu'il n'allait pas partir si on ne règle pas l'affaire. Et pour la première fois, la police a réglé mmh. l'affaire. La police a ramené quatre pneus à Martin Fayoulou. Et donc euh, l'affaire est réglée. Après avoir réussi euh, ses pneus, oui. il est rentré chez lui à la maison et l'affaire est close. Bon, mais c'est bien. Mais pour que cette police-là c'est une bonne chose. On ne pouvait pas crever les pneus de mon ami Martin Fayot. Non. Il avait le droit. Ses droits doivent être respectés. Mais vous voyez un peu la différence un peu, avec le régime qui nous est passé, le régime des, des artisans de la nation. La police se rend compte, on lui dit vous, vous ne pouvez pas faire ça, et il ramène des pneus. Vous avez vu ça pendant toutes vos marches, pendant 18 ans? Non, jamais, impossible. Où on vous ramenait des pneus. Ils <laughs> savent que c'était des pneus neufs. Bon, mais oui. moi, j'ai ma, ma, ma voiture, j'ai des pneus crevés. Je crois <laughs> que je pouvais marcher aussi avec Martin, mon ami Martin Faulou. J'allais avoir de nouveaux pneus. Bon, c'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit avec Félix n'est tu sais, Pas le seul, pas seul. Mais même en Afrique du Sud, quand, quand, quand la police creve les pneus, elle ne rend pas les pneus neufs. L'état de hein. droit ici que nous voulons, on n'avait pas le droit de crever le pneu. Vous avez vu mon ami Martin est rentré oui. et il a eu de nouveaux pneus. Même, si c'est beaucoup plus joli que ceux qu'il avait avant. <laughs> c'est ça l'état de droit et Martin Fayoulu, le président Martin Fayoulou de décider. Il avait raison. Il que devait être respecté. Trois mois, trois mois, de trois à six mois, est-ce que vous pensez que la Mouka est devant un dilemme finalement Jean-Pierre Bemba n'était pas présent, il s'est fait représenter certainement. Euh, Katumbi non plus, il s'est fait représenter. C'est à votre émission, vous avez dit que la Mouka qu était morte, mort, oui. mais, mais ça continue je... comme à vivre, au delà oui, de la Vous hein. savez, quand un serpent est mort, hein? mais il va rouler, il peut rester encore, il fait semblant d'être vivant pendant plusieurs mois, non Mais il est mort. Mais quand on coupe la tête, mais il va tourner, il va tourner, il va tourner, mais il est mort. Mm. Qu'est-ce que je peux dire La Mouka ici, vous n'aurez pas la Mouka dans sa configuration en 2023. Non. Nos amis doivent s'organiser, revoir un peu l'opposition. Moi, je soutiens l'opposition. Il faut qu'il y ait une opposition en démocratie. Mais c'est s'organiser autrement, même quand vous faites des marches. Et de quoi j'ai suivi aussi votre émission. C'est un droit de manifester. Il y a le Conseil d'État qui est là-bas. Essayons un peu nos juridictions. Le Conseil d'État, va vous dire quoi Moi, je ne comprends pas pourquoi, ont... pourquoi les gens ne saisissent pas le Conseil Alors, Nous allons nous dire non, mais c'est <laughs> anticonstitutionnel. Oui. C'est illégal. Mais essayons les juridictions pour qu'on nous dise. Exact. Nous ne nous pouvons pas être nous-mêmes juges et partis. On voilà. a terminé cette émission. On a vu une vidéo de vous en train de chanter. Alors, on se dit, mais le pauvre qui parlait de Sokayansa et de Djalelo, mais lui-même chante maintenant Étienne Tshisekedi. Alors, en fait, pouvez-vous nous dire exactement qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette histoire Comment vous vous êtes retrouvé à chanter vous aussi Non, mais je n'ai pas chanté Étienne Tshisekedi. J'ai dit quoi hein? J'ai repris en fait la chanson des combattants de l'UDP oui. et qui est fondamentale. Hein? Il chantait à l'époque que certains, les artisans de l'union, de la nation, voulaient vendre la nation. Mmh. Hein? Balinga qui battait Kamboka. Mmh. Et Tshisekedi tu avait dit, on ne vendra jamais boucle. Alors ils disent, Tokolala, -il. mm. Alors là, j'étais dans, dans ma boîte de tout citoyen, de tout combattant, parce que c'est c'est cette colère-là, on ne peut pas perdre une partie du territoire national. Alors, mais mais, mais attendez, le, le prof chante mais Le prof ne peut pas chanter pour un homme, il ne chantera jamais pour un homme. Mais vous tiens, Tshisekedi est un homme. Non, mais tu sais qu'il dit, c'est devenu un mythe. Eh, eh? Lumumba, c'est devenu un mythe. Mandela, c'est devenu un mythe. Il n'est plus, vous le voyez maintenant et il est entré dans l'éternité, on l'appelle les sphinx. Ils sont entrés dans l'éternité. Et même le Seigneur, donc toutes ces personnalités illusent, on ne peut pas les comparer au Seigneur. Ils ne sont pas là. Donc, les, on ne peut pas, dessus ce, on ne peut pas louer un homme, on ne peut pas faire le culte des hommes, on ne peut mmh. pas mettre les d'un des hommes sur les billets de banque, à moins qu'il soit déjà mort, qu'il soit entré dans l'éternité. Mmh. Ça, on ne fera pas. Et c'est pourquoi nous avons toujours à l'UDPES, il n'y a pas de culte d'individus et il n'y aura jamais de Félix, du désir. Pour qu'il y ait un quatrième mandat. Ah, Attendons voir. Hein? Non, il n'y en aura pas. Parce attends que l'UDPS, il n'y aura pas de Félix Jusekedi Désir. Notre président, s'il si il a dit, les gens ont cru qu'il était fatigué. Mmh. Mais il va avoir un deuxième mandat. Il a voulu dire, le deuxième mandat, c'est fatiguant, il se repose. Il a dit, c'est inhumain de continuer le mandat. Ah, il n'y aura pas de Félix Jusekedi Désir dès que le deuxième mandat, avant même la fin du deuxième mandat. Mais vous verrez les candidats présidents de l'UDPS. Il y en aura beaucoup. Il n'y aura pas de nom oh, à Kozong. Après le deuxième mandat, notre président actuel, Félix Tshisekedi, ne reviendra pas. Nous, il y a beaucoup de personnalités. Nous serons, a, nous serons beaucoup. de l'UDPS sera beaucoup de candidats, pas plus de dix, pas moins, pas moins de dix. Ils vont faire la démocratie. Ça va donner l'exemple avant même la fin. Mais il doit avoir un deuxième mandat. Il n'aura pas un troisième mandat. Nous, nous n'allons jamais chanter à Kozong après son deuxième mandat. Parce Très que lui c'est Nous allons. Il y a beaucoup de personnalités. Et d'autres personnes viendront. C'est pourquoi nous sommes d'ailleurs pressés d'aller aux élections pour avoir ce deuxième mandat pour Félix Tshisekedi. Merci de nous avoir honorés, cher professeur, de répondre à nos questions. Je crois que quand l'actualité surgira, on reviendra encore à vous et ça sera un grand honneur. Merci. Merci pour ces questions relatives à la Cour constitutionnelle à Minembwe. On reste en contact. Je reste disponible. Évidemment, il faut continuer dans l'objectivité et puis il faut rester aussi vigilant. Il faut rester vigilant. Les compatriotes aussi qui critiquent. Ils ont raison. Parfois, les gens ne connaissent pas. Vous savez, même on dit dans la Bible, mon peuple meurt faute de connaissances. Même les grandes personnalités, on n'a pas besoin de les jeter parfois. Parfois aussi, ils ne connaissent pas. Mmh. Souvent même, ils ne connaissent pas. Mesdames et Messieurs, merci. C'était un grand plaisir. Je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. balobi plus précis mana ká jẹ wájú ndóolù awọn bi mama mart nde mama mart nde balobi shop africa union et cetera te ka union sọ biloko yali yala yali ni o kọ ngorí o ni yi neko la yọ a a salisa yowote pɔna koriya la yɔ k'o ba bɔ nela yɔ pɔna tontona yɔ ba bɔ ya yɛlɛ pɔpɔ ba bɔ nela yɔ balobi bio pure african union ètò ẹka. o da kora ní abasi wa sinọkọlẹ kọyaki sinọkọlẹ kọyaki ne kolo la lɔtɛ ka. a n'o se ka dogo ya nko. ya frɛd. yafɔ pio na pio. pio na pio. pio mama mbalo kura mo nkan jajali. farofin jɔn bɛ yali. ɛɛ nko b'a falen wa. farofin yɛ ntɛn tɛn ka di. jago npanakan yɛ fɛn bɔtɔ ya nbisen na. farofin yaba yabotu ɲafɔkɔ bɔtɔ yaba ganin. taara nkando ndenka da ni na baasi. ee o ye li kɛ na suturu. ezagoliya na bɛnki. bon mama m b'a lɛ bóyá tó kọ búra bèrè tè kúbà kọkọ rẹ wú aró lù ú aró lù bọ́n na kòrí àná bí lomọkọ báyìí wọ́n ṣe àyíkí lórí union kòríà náà àbẹ̀tì jọkọrọ.